Hey Kim, t'as entendu parler de ça toi? Il paraît qu'il y a un virus. Un virus? Ouais. J'ai une invitée spéciale, ma colocataire et très bonne amie, Kémilia La Liberté. Bonjour! On va l'appeler Kim, ok, pour la vidéo, c'est moins compliqué. Alors, Kémilia et moi, on est comme pognés ensemble pour les deux prochaines semaines. Ouais. Malheureusement ou heureusement? Oui. Non, plus heureusement. Oui, je pense que c'est heureusement, on s'entend bien. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs dans mes stories sur Instagram, on fait des petites niaiseries des fois. C'est une période assez difficile. Le coronavirus, malheureusement, a touché beaucoup, beaucoup de familles et va en toucher plusieurs autres dans les prochaines semaines. Ça se propage rapidement, on le sait, on en entend parler, c'est partout dans les médias. C'est une période qui demande beaucoup de changements et d'adaptation chez la plupart des familles. Puis on s'est dit que c'était aussi un bon moment pour faire une vidéo, mais on sait aussi que c'est important d'en parler et que c'est important de soutenir les familles qui sont aussi dans cette période très difficile, donc on est là pour vous, mais on est aussi là pour les autres qui ont rien à faire pendant la quarantaine. On dit-tu un ou on dit une vidéo? Voyez-vous, quand on a du temps à perdre, c'est le moment là, de googler tous les mots que vous connaissez pas. C'est exact. C'est un nom féminin. Donc, okay, une vidéo. Une vidéo, une vidéo. On s'est dit que quelle meilleure occasion que quand vous avez tous deux semaines à la maison à pas faire grand chose, que de vous sortir une nouvelle vidéo pour vous divertir puis pour vous faire rire un peu aussi, on l'espère. Oh oui. Donc, 30 choses à faire pendant la quarantaine. Lire un livre. Eh oui! Flo et moi, depuis la quarantaine, on s'est fait une liste de livres qu'on a envie de lire. Je pense que on va se mettre là-dessus, hein? Ouais, on va vous mettre des suggestions de lecture dans la description. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai vu que la Grande Bibliothèque de Montréal a en fait mis à la disposition de tous les utilisateurs des livres gratuits sur Internet. Donc on peut lire de façon électronique plein de romans. Alors c'est une bonne façon de lire sans sortir de chez soi. Écoutez des séries sur tout.tv. Oh oui! On a commencé à binge-watcher la série C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime et c'est du bonbon. Puis sinon j'ai écouté Les Fourchettes. Oui! Kémilia m'a recommandé. Et il y a plein de bonnes émissions à voir sur tout.tv. Encouragez vos artistes locaux, encouragez la télé québécoise. C'est un moment très précaire en ce moment pour les artistes de partout dans le monde, mais pour les artistes québécois aussi. On a besoin de gens qui regardent les séries. On peut plus aller au théâtre, on peut plus aller au cinéma, mais on peut quand même le faire de chez soi. On peut quand même encourager nos productions d'ici. Puis c'est vraiment le moment de le faire. Ça fait vraiment un bombe sur le cœur. T'avais pas dit là, mais Kémilia est comédienne. Mais c'est pas ça là, j'ai la belle intense là. Mais moi j'ai commencé depuis le retour des fêtes à apprendre l'espagnol. J'ai pas appris ça au secondaire, puis je me suis dit ben comment je pourrais l'apprendre par moi-même. Puis j'ai trouvé l'application Duolingo dans mon téléphone. Alors je fais un petit 5 minutes par jour. Mais là depuis le début de la quarantaine, je prends un peu plus de temps. C'est bon, des fois elle est dans sa chambre, elle écoute des séries en espagnol. Je comprends rien, mais... Moi non plus, d'ailleurs! Faire ton vision board, ben oui, parce que ben on se dit toujours « Ah, faudrait donc que j'en fasse un! » On le fait jamais, ben là, c'est le moment. Tu t'installes dans ton salon, Flore avait fait ça il y a... Deux semaines, ouais. Puis ben là, je suis arrivée, t'es dans le salon, t'as tout fait ça. Puis c'est full beau, puis moi j'ai confiance en plus que ça marche, fait que je vous encourage à le faire. Moi je vais le faire, hein. Parce que je m'étais dit, il faut vraiment que je le fasse, ben là, c'est le temps. Je vais le faire. On a tous des livres de recettes que grand-maman nous a donné, des livres qu'on a achetés parce qu'ils étaient bien Pinterest, puis qu'on n'a jamais cuisiné aucune recette dedans. Ouais, des livres de recettes. Ouais, il y en a plusieurs. Mais celle-là, j'ai déjà cuisiné avec des recettes de La Fraîche. Vous irez la suivre. C'est Evelyne, elle est vraiment fine en plus. Puis ses recettes sont bonnes. C'est des recettes végé. Pizza au chocolat et en pomme. Ok, bye. On s'en va cuisiner nous autres. La vidéo, on fera ça plus tard. À table avec Cookit. Ah, ça, je savais pas qu'il avait fait un. Ouais, ils font des magazines. Un magazine. Parce qu'on est des adeptes pour vrai de Chef Cookit depuis. Ouais, fait qu'on cuisine quand même pas mal à cause de Cookit. Mais c'est rare qu'on prend la peine, tu sais, exemple, de cuisiner un bon dessert ou décoration. Fait que je pense que cette semaine, on pourrait prendre l'occasion de feuilleter ça, là. Puis se trouver quelques recettes à cuisiner, faire ça d'avance, se congeler quelques recettes aussi, c'est vraiment cool. Mais ça. C'est ça, hein. Cuisiner, faites-vous plaisir. Puis faites-vous des affaires réconfortantes.
croustillantes aussi, tu sais. C'est correct de se gâter avec une bonne croustade. Ouais, une bonne croustade, des bonnes pâtes. Faire un entraînement maison. Il y a plusieurs entraînements que tu peux faire sur YouTube. C'est ça. Mais moi, je suis une grande adepte de bloguer la tête sur YouTube. Ça fait des années que je la suis. Si vous aimez un entraîneur qui vous parle, qui vous explique comment faire les mouvements. Sinon, il y en a d'autres, je vous les mettrai également en barre d'infos. Aussi, si vous suivez Barbell, c'est un blog. Ils font des programmes d'entraînement autant pour le gym que pour la maison. Mais là, à cause de toute cette situation-là, ils ont décidé de mettre tout leur e-book à 20$ en spécial, donc ça vaut la peine si vous voulez vous entraîner de chez vous avec un programme quand même intense. Il y a beaucoup de plateformes de yoga aussi qui offrent des cours à la maison directement. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si on veut s'y mettre. Tu sais, c'est une bonne façon de se mettre à une nouvelle pratique sportive, pourquoi pas. Faites du yoga, entraînez-vous, soyez heureux. Arc! Non mais arc! Ok! Le prochain! Next. Une journée de self-care. Avec le travail, notre vie sociale, c'est rare qu'on prend une vraie journée de A à Z qu'on dédie entièrement à notre santé, beauté, à sentir bien. Fait que, what about this? Tu prends un bain, tu sors de là, tu t'exfolies, tu fais ton auto-bronzant, tu te crèmes, tu fais ta manucure, ta pédicure. Oh, on en aurait vraiment dû. Besoin. Ah, non, mais ça, je suis vraiment due là. Parce que tu sais, des fois, tu écris à tes amis, tu leur dis « Ah, on se fait ça », puis on dirait que ça va toujours dans 2 mois, mais là, t'as toute ta journée, là, tu peux te faire une journée au complet. Allez, prendre une marche. On est chanceux, hein? On va toucher du bois. Non, ça, je... Ok. On va toucher du bois parce que pour l'instant, on a de la belle température, on peut en profiter. On peut aller monter des montagnes, on peut aller juste marcher dehors aussi. Courir aussi, ça fait du bien, ça enlève les toxines. Puis pour l'instant, ben, je pense pas que tu risques de te contaminer en marchant dans ta rue. On est chanceux pour l'instant de pouvoir encore le faire, fait que je me dis profitons-en pendant qu'on peut encore. Hello darkness, my friend. Jouer à des jeux de société. C'est tellement le fun. Ouais. Mais là, tu sais, vous allez nous dire, on peut pas jouer à des jeux de société, on est juste deux. Mais il y en a. Puis sinon, si t'es toute seule, ben, il y a le solitaire. Pas très vendeur, mais pour vrai, il y a vraiment des bons jeux qui se jouent seul ou à deux. Il y en a même dans l'ordi, là, honnêtement, des jeux de société maintenant que vous pouvez trouver comme gratuit sur Internet. Jouer de la musique si t'as un instrument à la maison. Sinon, ben, tu sais, tu peux toujours faire à semblant. Tu regardes un tuto sur YouTube comment apprendre à jouer au piano. Ça, mes skills de piano sont déjà improved depuis que j'ai écouté le how-to sur YouTube. Je pense que la quarantaine nous rend quelque peu... Un peu dingue. Un peu. Écrire. Oui. Tu peux le faire de différentes façons. Tu peux écrire différentes choses, peu importe ce que tu as envie d'écrire sur ton ordi, sur du papier. Si tu as envie d'écrire des poèmes, si tu as envie de te lancer un blog pour écrire tes états d'âme, si tu as envie d'écrire un roman, ben là, tu as le temps. Fait que, hein, prends le temps. Écris ton roman. Quand on a plus de temps devant nous, c'est l'occasion idéale de se mettre à méditer. Quand est-ce que ça va nous réarriver de se dire jamais. On se met jamais. Moi, pendant 2 semaines, je ne mets pas de cadran. C'est fou. Fait que malade. Tu te réveilles, ben, tu peux méditer. Après manger. Ouais. Tu peux méditer. Et après. Après avoir fait tes jeux de société, tu peux méditer. Ben oui, après avoir été marcher, tu peux. Ça, c'est vraiment pertinent, mais c'est de faire du désencombrement. T'as pas besoin d'avoir lu le livre de Marie Kondo pour savoir faire du désencombrement, ok? C'est le temps là d'ouvrir tes tiroirs de salle de bain, de faire le tri dans tes produits, de faire le tri de ta garde-robe. Au complet. De faire le tri dans tes armoires de cuisine, dans ton bureau. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'après tu peux en profiter pour faire des gros sacs là. Non mais des vraiment gros sacs de toutes sortes d'affaires qui te serviront plus toi. Puis tu peux aller porter ça dans des œuvres de charité, tu peux aller porter ça quand ça va être ouvert, bien sûr. Parce que pour l'instant, je pense que c'est encore ouvert, mais c'est peut-être pas le moment d'aller porter tes sacs. Donc peut-être que quand tout ça sera résolu, on va pouvoir aller donner ça à des charités. Ouais. C'est aussi l'occasion de faire des petites rénaux, de repeindre une pièce. Toutes ces affaires-là que tu prends jamais vraiment le temps de faire. Comme nous, on a une porte dans la cuisine d'une armoire qui est décrochée depuis comme 2 semaines. Ouais, faudrait peut-être aller acheter des vis. Sinon, c'était de la petite peinture à faire. Si, écoute, il y a beaucoup de rénaux que ton meuble IKEA qui est tout le temps un peu croche. C'est le temps de le démonter puis de le remonter. Ouais. L'occasion est aussi bonne pour faire du vrai bon ménage de printemps. C'est-à-dire laver de fond en comble, laver tes murs, laver tes plafonds, laver le fond des armoires, laver ton fond de frigo. C'est vraiment quelque chose qu'on prend pas assez de temps de faire. Puis ben, c'est juste vraiment satisfaisant d'être dans un environnement sain puis propre.
faire un gros casse-tête. C'est ça, encore plus sûr quand t'en as un, là. Ah ouais, c'est ça. Quand t'en as un, hein? Quand t'en as un. Changer les meubles de bord dans ton appart, ça fait tellement du bien de reconfigurer une pièce, de revoir ton aménagement dans ta chambre. Des fois, t'as l'impression d'avoir comme un nouveau départ, mais dans le même appart ou dans la même maison. Fais le ménage de tes papiers, hein? Pas juste pour les travailleurs autonomes, ça, mais je veux dire, on accumule toutes sortes de papiers tout le temps. Les factures. Ben là, c'est bien plate, là. Mais c'est le temps de faire ça, parce que là, tous tes papiers accumulés à un moment donné, ils ont besoin de se faire classer, puis ben, ça peut faire du bien aussi, je pense, de faire ça. Puis ça peut t'enlever un poids sur les épaules, bien que là, les impôts aient été retardés. Mais c'est quand même le temps. Ouais. C'est pas une raison. Hein, Flo? Ben la paperasse aujourd'hui, ça se passe aussi beaucoup virtuellement. Fait que c'est l'occasion de faire un gros ménage dans ton cellulaire. Fait que passer à travers toutes tes photos, passer à travers tes notes dans ton cellulaire, tes notes dans ton ordinateur, tes documents sur ton bureau, tout ce qui est ménage de médias sociaux. Donc, nettoyer ton Facebook, là, tu sais, les vieux posts dont t'es un peu gênée, c'est peut-être le moment d'enlever ça. Ou tous tes amis, ben, peut-être pas tous tes amis, là, t'enlèves pas. Ok, Emilia, un friend! Non, ce que je voulais dire, c'est tous tes vieux amis Facebook à qui tu ne parles pas ou que, ben, t'as peut-être même pas envie d'avoir connaissance. Mon Dieu, c'est rude, là! Mais, c'est pas ça que je voulais dire, c'est toutes tes vieilles connaissances que là, bon, ben, c'est le temps aussi de faire du ménage dans ça. Puis, ben, je pense pas que ça va vexer beaucoup de gens. Je veux dire, ça va peut-être juste. Dans le temps, là, il sera pas sur le unfriend. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Dessiner ou faire des mandalas. Parce que là, c'est le temps. Je sais que même si t'as un livre chez toi, t'en as peut-être pas beaucoup fait. Mais en ce moment, c'est vraiment le temps de faire des mandalas. C'est très divertissant et très relaxant. Kim? Quoi? T'as-tu ça, toi, un tableau sur Pinterest avec toutes des idées de DIY? Ben oui. Ah oui? Ben oui. On préfère des pots de plantes. Ah, tellement une bonne idée. Cool, ben on dirait que c'est toi, Pinterest. On le fait, on le fait! Go! Magasinez en ligne dans vos boutiques locales favorites parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de petites boutiques qui sont en précarité. C'est pas une belle période nécessairement pour toutes nos petites boutiques favorites de chez nous. On vous conseille aussi d'acheter des cartes cadeaux. Donc, si pour l'instant, vous n'êtes pas prêt encore à nécessairement acheter un produit directement ou si vous avez peur que la boutique ferme sa livraison éventuellement, ben acheter une carte cadeau, c'est une belle façon de les encourager puis de pouvoir utiliser seulement plus tard. Okay. Ça, c'est quand même mignon. Ben, on a eu l'idée là, que peut-être ce serait un bon moment de s'écrire une lettre. Oui, oui, s'écrire une lettre. À nous-mêmes. Ouais. Ouais, fait dans le fond, tu t'écris une lettre aujourd'hui, mais pour... dans 10 ans, que tu vas ouvrir dans 10 ans. Bon, peut-être que 10 ans, c'est peut-être un peu loin, là, mais ben, tu peux le faire pour... 5 ans. Ouais, tu peux le faire 5 ans, 10 ans, tu peux même le faire pour l'année prochaine ou pour cet été, tu peux le faire pour quand tu veux. Mais écris-toi quelque chose, puis c'est un bon moment aussi pour penser à ce que tu as envie de devenir ou ce que tu as envie de faire, fait que peut-être l'écrire, ça rend ça plus formel aussi. Je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, nous, des fois, on se met de la musique, puis on chante, puis on danse. Tu sais, comme la scène dans Grey's Anatomy, vraiment nice, entre Christina Yang puis Meredith Grey. Mais comme, à quel point c'est une belle chose à faire qui t'enlève du stress, de juste comme, pas penser à ce qu'il y a autour de toi, puis juste être dans le moment avec la musique puis de la danse. Travailler sur un projet personnel. Que t'as toujours voulu te lancer un blog, que t'as toujours voulu te lancer en affaires, ben c'est peut-être le temps de faire ton brainstorm, d'écrire, de commencer à regarder pour faire ton plan d'affaires. Ben t'as du temps. Écoute, les projets et le futur n'attendent que toi. C'est peut-être un moment difficile en ce moment parce que tu peux pas vraiment sortir de chez toi, mais bonne nouvelle, l'application FaceTime peut te permettre d'appeler tes parents et tes amis. Un contact plus direct ou je sais pas, peut-être de voir tes proches, ça peut faire du bien à tes parents. Je sais que présentement, il y a beaucoup de parents au Québec qui sont très inquiets pour leurs enfants. Maman. Donc peut-être de FaceTimer nos parents, ça peut être une bonne idée, ou de FaceTimer nos amis, ou peu importe, oui. Qui t'envie, hein. Pendant ce temps-là, pendant que t'es chez toi, en cabané, tu peux écouter des documentaires. Ben oui, c'est le temps d'apprendre, là, puis d'approfondir tes connaissances sur un milieu que tu connais pas du tout. Puis pourquoi pas, après ça, faire des beaux sujets de conversation dans tes appels FaceTime. Ouais, tu vas pouvoir plugger tes documentaires dans tes FaceTime. Non mais, ça c'est pas vrai, loin. Comment ça fait toutes des liens, ces affaires-là? Tu fais tout ce qu'on vous donne, là, comme information. Vous pouvez en même temps écouter des podcasts.
Ouais. Écouter de la musique, écouter des livres audio même. Si vous n'êtes pas fan de lecture, ben c'est des excellentes options pour continuer d'approfondir vos connaissances sur différents sujets ou juste de vous divertir avec du contenu plus léger. Ben moi, j'aime ça garder espoir puis me dire que rendu à cet été, probablement que les choses vont s'être réglées puis que les choses vont être revenues à la normale. Tu peux te faire une bucket list avec plein d'idées d'activités à faire cet été, des choses que tu aimerais accomplir, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. C'est une belle petite chose à faire. Vraiment. Oh, le dernier. Tu peux écrire des lettres à tes proches. Puis dans le fond, ben tu les écris maintenant. Peut-être que tu pourras pas les poster, malheureusement. Mais en même temps, les lettres vont être déjà écrites. Puis quand tu vas revoir tes amis ou si tu veux les poster éventuellement, ben ils vont être déjà écrites. Et ça va être une belle pensée pour eux. Ouais, c'est tout le fun, il me semble, recevoir une lettre par la poste. Tu sais, comme si ça m'était déjà arrivé. Kim, j'entends toujours ta lettre, hein? Je vais aller mettre ça dans notre boîte à lettres en bas. Puis quand tu vas l'ouvrir, tu vas penser que tout ça n'est pas stagé. Mais écrivez, comme on vous l'a dit tantôt. Puis écrivez à vos proches. Je pense que c'est une période qui peut être difficile pour certaines personnes. Puis ça fait juste un baume sur le cœur. On espère sincèrement que ces idées-là vont vous avoir peut-être un peu donné d'espoir ou encore vous avoir inspiré à faire des trucs nouveaux ces prochaines semaines. D'ici là, on vous souhaite une belle fin de quarantaine, puis on espère que vous allez vous amuser puis que vous allez trouver du temps pour vous retrouver peut-être. Si jamais vous avez des idées qu'on n'a pas partagées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire puis d'interagir avec vous. Et peut-être même de les tester. Ben oui, pourquoi pas. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne!